Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc d'abord une vidéo alors avec deux thèmes, comme vous avez pu voir dans le titre. Voilà Fifi qui vient vous dire bonjour, hein, et qui dormait, hein, tout en haut du meuble. Il y a des mots qu'elle connaît comme ça. Donc je disais une vidéo de remerciement et courrier, voilà, parce que j'ai reçu deux enveloppes, une hier et une aujourd'hui, de deux amis Facebook. Donc je vais vous montrer, hop là, mais voilà, voilà. Je vais vous montrer après donc ce qu'elles m'ont envoyé. Alors d'abord remerciements pour mon avant-dernière vidéo et puis pour les personnes qui l'ont su sur Facebook. Pour les soucis que j'ai en ce moment et qui vont être bientôt réglés grâce à vous tous. Car, comme vous savez, j'avais ouvert une cagnotte que j'ai fermée hier. Car je l'ai fermée je suis arrivée grâce à vous au montant dont j'avais besoin pour me sortir de ma panade. Donc je voulais toutes vous remercier. Je remercie même celles qui n'ont pas pu envoyer mais qui m'ont envoyé plein de petits messages dans des commentaires, des messages privés, etc. Donc voilà, j'ai même eu un peu plus que ce dont j'avais besoin, et ce petit plus justement va me permettre, parce que ma banquière a déjà compté des frais par rapport à mes soucis. Ça, pour ça, elle n'a pas perdu de temps, hein. Répondre à mes emails, ça, elle n'a pas su faire, hein, parce que je n'ai eu aucune réponse d'elle, ni au téléphone, ni par email. Mais bon, c'est rien, j'ai l'habitude, hein. C'est une banquière, on va pas les changer, hein. Par contre moi je vais faire mon possible, dès que tout est remis à plat, le mois prochain, de changer de banque. Voilà, donc elle aura plus mes assurances, elle aura plus, voilà. Mais bon, donc je vais tous vous remercier. Ça prouve qu'il y a encore de la solidarité, qu'il y a encore des personnes qui ont du cœur. Voilà, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous remercier tous encore une fois, et puis voilà. C'est vrai que bon, de voir cet élan sur ma cagnotte, ça m'a beaucoup touché, ça m'a ému, et je me suis dit, oui, encore des bonnes personnes, hein. Mais je précise, hein, ceux qui n'ont pas pu ou quoi, bon, je ne dis pas que ce n'est pas les bonnes personnes, hein, au contraire. Donc voilà, donc je souhaitais vous remercier tous. Et si un jour je vois quelqu'un qui est dans la panade et que je peux à ce moment-là, c'est vrai que moi j'aiderai aussi, et c'est tout à fait normal. Donc voilà. Alors, un grand, grand merci et d'énormes bisous à tous. Alors, pour les personnes qui m'ont aidé directement par le biais de la cagnotte, j'aimerais bien que vous puissiez m'envoyer vos adresses. Donc, je ne sais pas si je les ai encore, si je les ai de tout le monde, parce que par le biais de la cagnotte, ce sont vos vrais noms qui sont sur la liste. Et donc, bon, je vous connais plus par vos pseudos Facebook ou YouTube, voilà, que par les noms réels. Donc, si vous pouviez m'envoyer vos adresses, donc soit en MP par le biais de Facebook, par le biais de mon mur ou par le biais de ma page, ou alors directement par email. Donc mon email est en barre d'infos, hein, c'est atelier.didit@gmail.com, mais vous l'avez en bas. Voilà, comme ça, ça me permettra j'ai pas fermé mon téléphone, désolé. Ça me permettra de vous remercier. Voilà. Donc encore de gros gros bisous et de très grands merci à toutes. Voilà. Maintenant, si Fifi veut bien se retirer
des enveloppes, voyez. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Oh, bah, j'arrive plus à me cadrer, voyez. Elle est couchée sur les enveloppes. je vais vous montrer ce que j'ai reçu donc hier et aujourd'hui de deux amis Facebook. Non, si tu veux te gratter les pupus, tu le fais pas devant la caméra. Non, mais alors la première enveloppe, voilà, elle est de Isabelle. C'est une grande amie de Facebook. On s'est connus, tu me rappelleras, mais je crois qu'on s'est connus par YouTube, par ma chaîne. Voilà, donc elle m'a envoyé des petites choses et une petite création qu'elle a faite. Donc là, bon, elle m'avait déjà fait une enveloppe hein, cette semaine avec des découpes. Bon, je ne vous l'avais pas montré, mais bon, voilà, c'était des découpes. Et là, elle m'a refait, donc, voyez, hop, des découpes. Celle-ci que j'aime beaucoup. Voilà, regardez. Donc, là, regardez. Le fil avec une aiguille. Je n'avais pas encore vu celle-là. Des petits trombones, des boutons. Des petites pinces à linge, trop mignon. Une petite machine à coudre, voilà. Bon, il y a les ciseaux. Ah, ça c'est quoi? Je reconnais pas. Bon, c'est rien. Je regarderai de plus près. Bon, il y a encore des autres ciseaux, voyez. Beaucoup de choses. Des petits boutons en forme de cœur. Je vais vous montrer. Voilà. Bon, Fifi, range ta queue, s'il te plaît. Et là, elle m'a mis aussi des négatifs. Voilà, ça, c'est pas mal, les négatifs aussi. Parce que, ben, on peut s'en servir comme pochoir ou carrément. Voyez. Des petites choses comme ça. Donc, ça, c'est super. Donc, il y en a un gros paquet hein, quand même. Ensuite, elle m'a remis une petite carte, voilà, où elle m'a mis un gentil petit mot et elle me l'a écrit au crayon gris, comme ça, si je veux, je peux gommer et utiliser la carte, comme elle m'a dit. Elle m'a mis des tamponnages, donc je sais que c'est des tampons qui viennent de chez Noz, des très grands tampons sur le thème de l'hiver, de Noël. Donc elle m'a mis dans plusieurs couleurs, voilà, avec sur du cardstock. Hein. Là, un rouge. Celui-là en rouge, j'aime bien. J'aime tous les autres, hein, bien sûr, mais. Voyez. Voilà. Et elle m'a mis des feuilles. Voilà, de 15-20. Je ne sais pas ce qu'il a mon téléphone aujourd'hui. Bon. Voilà. Et sa création. Alors, sa création, c'est du Killing. Voilà. Avec les fesses à la Fifi, voilà. Regardez, une superbe chouette, voilà, qui va aller sur mon bureau, dans mon atelier. Je la trouve trop belle. Elle est superbe. Bon, ma poulette, parce que je t'appelle ma poulette, hein, je te remercie beaucoup, mais bon, je te l'ai déjà dit hier. Et puis, je te dis, ta petite chouette va trouver une bonne place dans mon atelier. Voilà. Alors, la deuxième. Excuse-moi, Fifi, merci. La deuxième enveloppe vient de Amandine, qui, elle, m'a fait cette petite enveloppe pour me remonter le moral par rapport à mes petits soucis. Voilà. Donc, elle m'a fait une petite carte. Voilà. Alors, je sais qu'il y a. Non, il est dedans. Voilà, regardez. Une petite carte marquée Hello, donc c'est un tamponnage. Hein. Je crois qu'elle, oui, elle l'a embossée en plus. Je sais pas si vous verrez bien. Oui. Elle est trop belle. Et elle m'a refait un tamponnage justement de Hello. Et là, bon, elle m'a mis un petit mot, un gentil, voilà. Mais ça, c'est pour moi le petit mot, voilà. Alors Amandine, merci beaucoup et merci beaucoup pour ton message surtout. Et elle m'a mis du papier action, celui. Non, Fifi. Du papier action qui c'est celui du moment.
Donc du 15-20, voilà, celui-là. Donc elle m'en a mis deux de chaque. Vous voyez. Donc celui-là, il est super beau, il brille bien. J'aime bien. Voilà, celui-ci et celui-ci avec les petites feuilles. Ils sont super beaux. La nouvelle collection chez Action est vraiment très belle, je trouve, en ce moment. Et elle m'a mis des 15-30. Alors, celui-ci avec les plantes. Voilà. Donc, le même, mais en... Alors, c'est argenté ou doré? Oh là là, je vois plus clair. C'est doré, voilà. Il est super beau. Alors, celui-là, je l'adore avec les attrape-rêves. Il est trop beau. Là, avec les flèches et les plumes. Fifi, ne passe pas devant. Viens là, viens là. Non, à caméra. Pas bouge. Range tes fesses. Celui-ci avec les oiseaux. Voilà. Le même avec des oiseaux dorés dessus. Ils sont vraiment, vraiment magnifiques, hein, ceux-là. Je ne les avais pas encore vus en vrai. Mais alors celui-là aussi avec les attrape-rêves, il est super beau. Là, les plumes sont vraiment très très belles. C'est un peu le style, comment on va dire, pas indien, mais je sais plus comment on appelle. Pas indien, c'est pas mexicain, c'est aztèque. Voilà, je cherchais le mot. Aztèque. Vraiment super beau. Celui-là aussi. Et, ne fais pas tes griffes sur les enveloppes. Merci. Celui-ci avec les plumes. Donc là, elle m'en a mis deux. Voilà. Bah écoute, c'est vraiment superbe. Ces papiers sont vraiment magnifiques. Et je te remercie beaucoup. Bah, parce que tu sais que je ne peux pas aller à Action en ce moment. Donc bah, je rate un peu toutes les nouveautés. Mais bon. Hop, 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 ma grosse mémère. Voilà. Et du coup, ça me fait plaisir énormément. Alors voilà, bah c'est une toute petite vidéo hein, aujourd'hui, mais bon, ça me permettait de, encore une fois, de vous remercier tous. Et je suis vraiment heureuse de voir que ça existe encore. Voilà, bon, je sais que beaucoup de monde a des problèmes hein, maintenant, hein, on n'y échappe pas. Et je sais aussi que là, certaines qui m'ont envoyé m'ont précisé que ben, c'était pas non plus la grande joie mais qu'elle souhaitait participer, donc je les remercie encore plus. Et voilà, donc ben là cet après-midi on va essayer de s'y mettre un peu, de faire un peu les créas, parce que bon hier j'ai voulu m'y mettre, je voulais faire des cartes, mais alors l'inspiration il n'y était pas du tout du tout du tout. Ce matin par contre j'étais pas non plus en grande forme, désolé, hein, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment chez moi. Côté, ben là, aujourd'hui, c'est côté santé. Hein. J'ai mes douleurs aujourd'hui. Je me suis réveillée avec mes douleurs à la langue ce matin. Et du coup, ça a du mal à partir. J'ai pris tous mes médicaments, j'ai mis mes antidépresseurs purs sur ma langue. Ben, je fais tout ce qu'il y a. Tout ce que je peux faire, mais bon, ça a du mal à passer. C'est un petit peu plus calme que ce matin au réveil, mais bon, ça a du mal à passer aujourd'hui. Mais bon, ça fait 10 ans que je traîne ça, donc maintenant je commence à être habituée, mais je commence aussi à en avoir ras-le-bol. Voilà, c'est une saloperie de maladie, excusez-moi du gros mot, enfin, c'est pas une maladie, c'est un syndrome, et ça commence à me prendre la tête. Là, j'ai rendez-vous le mois prochain avec un nouveau neurologue qui, j'espère, va pouvoir m'aider parce que ça tape sur le système pas mal. Donc voilà, ça y est, ma fifille s'est calmée. Elle s'est mise devant la caméra, voilà, pour vous faire des coucous. Tu fais des coucous. Alors, je profite également. Donc, pour vous donner des nouvelles de mon pépère, il va commencer à aller beaucoup mieux. Il est toujours en traitement, puisque le traitement doit durer 10 à 15 jours. Mais il remarche presque normalement. Et
À part le matin, bon, le matin, il est rouillé, c'est normal, hein, c'est comme nous, hein, quand on se lève le matin, on est un peu rouillé. Donc, ça coince un peu le matin pour faire la promenade du pipi. Mais sinon, ça va mieux. Voilà. Il remange bien. Enfin, il mangeait toujours bien, mais bon, là, il a repris son appétit normal. Et puis, ses papattes vont mieux. Mais bon, comme c'est de l'arthrose, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise. Hein. Donc, bon, j'espère que ce ne sera pas pour tout de suite. Donc, voilà. Encore, alors, encore un grand, là, je ne sais plus parler, encore un grand merci, donc à vous toutes, merci à Isabelle, à Amandine, et également à celles qui m'ont dit aussi par MP qui allaient m'envoyer des enveloppes. Alors, encore merci tout le monde, et je rappelle, donc, celles qui m'ont aidé par le biais de la cagnotte. Envoyez-moi vos adresses, donc soit par le biais de Facebook, par le biais en message privé, par le biais de ma page Facebook, en privé aussi, ou par mon adresse email. Envoyez-moi vos adresses et comme ça je pourrai vous remercier. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Bon, Fifi est tombée là, elle dort. Elle a dit bon, j'en ai marre, je m'endors. Aujourd'hui, c'est pas rigolo, donc voilà. Mais là, on va aller lui faire sa gamelle. Hein. On va manger la viande de poisson. Ça, c'est son plat préféré. Elle aime pas les autres viandes. Elle ne mange que du poisson ou les croquettes de poisson. Voilà, c'est ce qu'elle préfère. Ça m'accroche. Elle aussi, elle va bien. Bon, ça, c'est son câlin préféré. Les gratouilles sous le menton. Oh, on aime ça, les gratouilles sous le menton. Oh, oui. Oh là là là, regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Allez, je vous laisse. Je vous fais de gros 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 bisous à tous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.